du soleil pour une fois, c'est bien, hein? Je crois que je suis à contre-jour. Bon bref. Hey, salut toi! J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, je vais te montrer mes créations du mois de mai. Et bah, j'en ai fait une petite vingtaine, l'air de rien, donc on va essayer de faire vite. Ça serait cool. Comme moi j'ai encore changé de décor, t'as vu? Mais j'aime bien en fait changer les meubles de place. Mais si c'est pas très grand, et bah je tourne en rond à chaque fois. Donc souvent je change de place. Oh la putain de chorégraphie de folle. Et je pense que d'ici la prochaine vidéo ça va encore changer parce que là ça me plaît pas, j'ai pas de place. Ça m'énerve. Je vais encore changer mes meubles de place. On s'en fout hein. Bah ouais. Je sais. Alors j'ai fait beaucoup de créations sur le thème de la nature. Là ce mois-ci j'ai fait vraiment beaucoup de choses sur ce thème. Beaucoup de nature, beaucoup de verdure. Moi j'adore ça franchement, c'est mon truc à moi. Donc j'adore ça. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Avant de te montrer mes créations, je voulais juste te poser une petite question. Rien de rien, comme ça. J'ai été contactée il y a pas longtemps par la boutique Panda Hall, une boutique chinoise, et qui me propose de faire un partenariat avec eux. J'ai pas encore répondu parce que je voulais à tout prix savoir toi, ton avis personnel. Parce que moi les partenariats j'en avais jamais fait jusqu'ici. Enfin si j'en ai fait avec Céline, mais c'était ma copine, donc c'est différent, c'est pas pareil. Et là c'est une boutique que je connais même pas, j'ai jamais commandé de ma vie sur chez eux, et puis ils me contactent pour faire un partenariat avec eux. Je suis pas fan des partenariats en général parce que je suis pas une profiteuse, j'ai pas envie de recevoir des trucs gratuitement juste pour faire des vidéos. Mais je me suis dit que vu que j'aimerais apporter du changement à cette chaîne YouTube, peut-être que ça serait un tremplin. J'en sais rien. Donc j'aimerais avoir ton avis avant de leur répondre quoi. C'est pas la première fois qu'ils me contactent, hein, mais c'était l'année dernière, je crois, et j'avais jamais répondu. Et cette année, ils ont relancé leur demande et puis bah. Là, je dirais pourquoi pas? J'en sais rien, mais moi j'ai besoin de ton avis à toi, parce que c'est ma chaîne YouTube, certes, mais c'est des vidéos que toi tu regardes. Donc si ça t'intéresse pas, bah, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Toi, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait des vidéos de partenariat avec la boutique Panda Hall? Voilà. Donc comme d'habitude, toutes les créations que je vais te montrer là, dans cette vidéo là, elles seront déjà toutes disponibles sur ma boutique. Ouais. Donc bah, tu sais, le lien est en barre d'infos, t'as plus qu'à aller voir. Comme tous les autres liens de mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Ça change pas, ça, tout est toujours là. Voilà. Voilà, voilà. Puis là, donc j'arrête avec ça, sérieux. Comme d'habitude, comme à chaque fois, j'ai toujours plein d'autres choses à dire, mais je peux pas les dire dans cette vidéo-là. Faut vraiment que je trouve le temps de faire une vidéo blabla. Mais c'est long à faire. Déjà que ces vidéos-là, sont très longues à réaliser, mais les vidéos blabla, c'est encore pire. Bon bref, allez, du coup, bah, je te montre toutes les créations du mois de mai, et puis bah, c'est parti. On y va? Allez, go! Alors on commence tout de suite avec les trois premiers bijoux, voilà, tout simplement, c'est avec la technique de la Hidden Magic. Et j'ai voulu faire un effet, comment dire, sable et eau, un mix des deux, pour les vacances. Voilà, ça fait, j'avais jamais utilisé ces deux couleurs-là ensemble, enfin je crois pas. J'ai pas de souvenir en tout cas de ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, avec une plaque d'Hidden Magic, j'ai réalisé trois petits bijoux. Donc le premier c'est celui-ci avec un mélange en deux parties, voilà. Un Hidden Magic en bas et un silk screen au-dessus, tout simplement. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien évidemment toutes les créations ont été poncées à la main. Voilà, on s'en fiche hein, mais je voulais le dire quand même. Et bien j'ai cette petite paire de boucles d'oreilles assorties qui est offerte en cadeau pour l'achat du collier. C'est cool hein. Ensuite pour le deuxième j'ai voulu faire comme vu que c'était un mélange sable et eau, j'ai voulu faire la forme d'une planche de surf entre guillemets. Voilà. De ce petit collier, et eh bien j'offre cette paire de boucles d'oreilles en cadeau assortie.
dernier bijou, c'est une pastille creuse, toute légère, toute, voilà, sans chichi. Et en cadeau, eh bien, j'offre une petite paire de boucles d'oreilles assorties. Ensuite, la collection de bijoux suivant. Oui, pardon, j'ai bugué. C'est bah, voilà, les bijoux sur la nature. Tout ce qui est les feuilles, les fleurs, tout. La nature, quoi. Voilà, tout ce que j'aime. Donc, on commence avec des petites barrettes pour mettre dans les cheveux. Logique. Les barrettes, ça va dans les cheveux. Donc, c'est plus pour des petites filles, mais bon, moi personnellement, je me verrais bien les mettre dans mes cheveux. Quand je fais des petits chignons, ça peut être très mignon, surtout pour un mariage. Bon, bref, on s'en fiche. Mais je dis ça parce que c'est bientôt le mariage de mon cousin. Donc, pour commencer, j'ai ces deux petites barrettes là, bronze, avec des roses et des feuilles. Pour rester dans les roses, eh bien, j'ai un lot de 4 petites roses comme ça, dans 2 tons différents de roses. Des roses roses. Troisième petite barrette, c'est avec des tout petits mignons petits papillons, tout riquiqui, tout joli, toujours dans les tons roses. Je suis restée dans le rose parce que pour les petites filles, c'est quand même plus sympathique. Et si on reste dans le thème des papillons, pardon, et bien j'ai cette petite parure en rose et bronze, avec un collier, une bague et une paire de boucles d'oreilles. Bon là j'ai un peu triché parce que finalement j'ai utilisé un moule donc il n'y a aucun mérite, mais bon, c'est mignon quand même. Donc ensuite, toujours dans cette collection-là, il ne me reste que des colliers sur le thème des feuilles, la nature. Voilà. Alors par contre, j'ai 4 petits colliers qui vont être modifiés. Je vais rajouter de la résine dessus parce qu'en fait, je les avais couverts pour protéger les encres. Vous allez voir après, je les avais recouverts avec de la fimo liquide, sauf que ça m'a fait plein de bulles, de bosses bizarres. Donc du coup, je vais passer à une couche de résine pour camoufler tout ça, en espérant que ça marche bien, que ça fonctionne. Qui vivra verra. Donc on commence avec celui-ci. Avec un imprimé feuille et j'ai rajouté des encres à l'alcool par dessus. Donc pour ce premier colis là, eh bien, il faudrait que je passe une couche de résine parce que vous avez vu qu'il y avait plein de petits défauts à cause de la fimo liquide. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, il faudrait que je passe une petite couche de résine. Donc c'est une feuille sur un effet bois, tout simplement. Ensuite, le prochain colis, il n'y a pas de feuilles particulières, mais les couleurs m'ont fait penser à la nature, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette collection-là. Voilà, et c'est pareil, c'est avec des encres à alcool, et je vais mettre une couche de résine après par-dessus. Donc encore un imprimé feuille avec des encres à alcool et pour protéger les encres à alcool, pardon, cette fois-ci j'ai pas mis de la fimo liquide mais j'ai mis du translucide, voilà, de la pâte translucide. Bref, vous avez compris. Et pour aller avec, eh bien j'offre cette petite paire de boucles d'oreilles assorties.
Ensuite, toujours un imprimé feuille avec des encres à alcool, encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai rajouté mes petites feuilles lucides que j'aime tant. Suivant, c'est un trio de petites feuilles avec des feuilles lucides blanches. Pour le collier suivant, c'est tout simplement un trèfle à 4 feuilles. Et toujours avec mes feuilles lucides. Et pour aller avec ce petit trèfle à 4 feuilles, eh bien j'ai réalisé un petit bracelet, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette petite collection et on termine avec la dernière qui concerne mes petites chibis, mes petites mademoiselles. Voilà. Donc on commence avec la première, en fait c'est pas une petite fée ni une petite sirène, c'est une mademoiselle, tout ce qui est plus simple, sauf que sa robe est en fleurs. Une petite fleur rouge. Et des petites feuilles pour faire la ceinture. Bon, ça fait un petit moment qu'on en voit plein qui circulent comme ça et j'ai voulu essayer, sauf que moi, bah, ça rend pas du tout pareil. Mais moi je l'aime bien quand même. La mademoiselle suivante, c'est une petite fée avec des ailes feuilles. Bah oui, encore la nature. Alors celle-là, je suis pas spécialement fan, mais bon. C'est pas grave, on dira rien. C'est une petite sirène sur un support en résine que Manuela m'avait offert pendant un échange. Ensuite, une nouvelle petite sirène, un peu façon pirate, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, sur une très grande breloque encre. Oui, pardon. Encre de bateau avec une tête de pirate qu'on voit plus forcément parce qu'elle est un peu cachée. Mais il y avait une tête de pirate à l'origine dessus. Thank you.
demoiselle, et bien c'est cette petite fée là. Mon coup de cœur, franchement, je la trouve très jolie celle-ci. Pour une fois que je suis fière de moi, c'est très rare quand ça arrive, et celle-ci je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Pourtant elle est rose, je déteste le rose. Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et ses ailes sont en fimo liquide. Et ça c'est cool parce que ça casse pas, ça c'est génial. Et elle est posée sur une très grande plume argentée. Du mois de mai, donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Dis-moi tout. N'hésite pas à me laisser des commentaires parce que j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Parce que ça fait toujours plaisir de lire des commentaires, surtout qu'ils sont souvent très gentils. Donc ça fait plaisir. Donc j'espère que je l'ai dit. Attends, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Putain, je perds la boue. En plus, je vois plus rien. Vivement que ma coiffeuse vienne à la maison parce que là, c'est de pire en pire. C'est dingue comment ça pousse vite une frangin. Oh, c'est chiant. Oh. Bon, bref. Bon. Du coup, je recommence à dormir. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Laisse-moi des commentaires avec grand plaisir. Enfin, t'es pas obligé, hein, c'est pas une obligation. Je suis pas là. Va t'abonner, mets un like, fais ci, fais ça. Non, tu fais ce que tu veux, mon coco. Bon, bref. Et du coup, j'ai perdu où j'étais. Du coup, bah voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. J'ai plus qu'à te faire tout plein de gros poutous. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Ah, j'ai la voix qui est partie en couille.